Ce comparatif vous est présenté par DocBiker, centre moto et scooter. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver cette fois encore pour un déo et débat. Un déo et débat fort sympathique, j'en suis sûr, puisque nous avons décidé de comparer trois trails, des petits trails qui sont arrivés récemment sur le marché. Alors pour être tout à fait honnête, au départ on s'était dit on va faire un petit duel cette fois entre la Versys X300 et puis la BMG 310. Mais comme on a vu dans vos commentaires pratiquement sur chaque vidéo que oui, mais la Honda CB500X, elle est pas tellement plus cher, eh ben on s'est dit on va l'intégrer en fait à ce comparatif pour voir si effectivement ça peut valoir le coup ou pas. Donc c'est ce qu'on va essayer de déterminer tout de suite avec Maya Camus. Bonjour, bonjour. Bonjour Eric, ça va super. Bon, et puis Mehdi Bermani bien sûr. Ah, bonjour, ça va, parce que tu me le demandes. Les trois. Les trois acolytes toujours réunis pour évidemment décortiquer ces petites motos. Et donc là on est parti en Picardie. Du côté de Cuvillon, rien à voir avec Cavaillon, comme vous pouvez le remarquer, il faisait un peu moins beau, un peu moins chaud. Et il n'y avait pas de melon. Il n'y avait pas de melon. Donc voilà, vous voyez évidemment aucune blague à la noix. Ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire. Bon allez, revenons à nos moutons. Ça n'a rien à voir. Donc revenons à nos moutons. On a donc comparé ces trois petites bécanes fort sympathiques. Par quoi vous voulez qu'on commence, les amis, par le design ou non? Peut-être pas. On va se garder pour la fin le design pour une fois. Ouais, quelque chose me dit que c'est intéressant de le garder pour la fin le design. D'accord. Et on va peut-être comparer directement, je sais pas, l'ergonomie peut-être de chaque moto. Oui, alors parlons de hauteur de selle. Parle de hauteur de selle, ouais. Je sais que ça intéresse les petits, n'est-ce pas? Oui. Le grand aussi, hein. Non, oui, mais je suis grande par autre chose. Non, mais tu es grande par son excellence. Alors. Mais c'est toi la plus petite. Donc, sur laquelle tu étais la plus à l'aise? Bah, sur la Honda, ma foi. Mais oui, c'est la moins haute, hein, 810 mm. D'accord. La selle est un petit peu large quand même, mais bon, je ne pose pas tout à fait les deux pieds à plat au sol sans mes talons de 5 cm. Précise. Alors l'ABM, c'est la plus élevée, hein, 835 mm. Elle a beau être fine, mais quand même là, ça devient un petit peu compliqué. Hein, 1,60 m, là, ça devient vraiment un peu compliqué, surtout pour les demi-tours, etc. Et là, compliqué maintenant. Et non, la Kawa, c'était moins compliqué que la BM. Ah bah oui, elle est moins... Je crois que t'as un sentiment... C'est vrai, parce que quand on la voit, la Kawa, on a l'impression que c'est vraiment... Non, non, elle est un petit peu moins haute, à 800 15 mm, tu vois, ça fait même 2 cm de moins. Ouais. Sauf que là, la selle est plus large. Ouais, donc, voilà, toi, bon an, mal an. T'as pas eu le même ressenti? Non, moi, je me sentais vraiment en hauteur sur la Kawa. Ouais. Et puis, peut-être aussi toute la face avant, tu sais, l'habillage, la bulle haute, le guidon large. Elle est imposante, le gabarit. Ouais, voilà, c'est valorisant. Elle est valorisante, c'est vrai qu'elle a un beau gabarit. Donc, je crois que j'ai une explication. Ah? Parce que, comme moi, je pèse lourd. Ça se vérifie d'autant mieux. En fait, comme la BM, elle est un petit peu plus souple, ouais. Eh ben, elle se tasse vachement plus. Donc c'est peut-être pour ça que nous, on a eu ce sentiment qu'elle était peut-être un petit peu plus basse. Ouais, et peut-être pas Maya. Et puis elle a pas de bulle. Enfin, l'avant. Et puis en plus, ouais. T'as l'impression que t'es vraiment sur la route directe. Ouais. Donc ouais, c'est... Okay, d'accord. C'est quand même assez proche du Roadster finalement. Ouais. Ça reste assez proche du Roadster. Mais j'aime bien. Quand même, elle a le guidon. Oui, non, mais je parle quand t'es largeur. Dessus, t'as pas tellement la sensation d'être sur un gros trail quand t'es sur la G310. Ah, tu sens quand même que tu montes sur un échassier. Hein. Oui, mais le guidon, tout ça. Je suis d'accord avec toi, et d'autant plus au niveau des pieds. Parce que je trouve que les repose-pieds sont un petit peu aux façons Roadster, je trouve, à mon goût. Pas vraiment beaucoup de différence avec la G310R, je trouve. Ouais. On est vraiment. C'est parce que c'est la distance selle repose-pied, en fait, qui est un petit peu plus courte. J'ai un problème, parce que je me tiens
buste relativement droit, mais j'ai les jambes quand même assez repliées. Et puis j'ai le réservoir qui m'écarte les cuisses. Oui, il part très très vite en largeur en fait. Donc je dirais pas que j'ai la sensation d'être sur une HD 750 Street, hein, mais quand même je trouve que c'est un petit peu bizarre, et notamment pour un produit trail où on va aller un petit peu dans la pampa. C'est peut-être parce que tu as des grandes jambes. Parce que moi j'ai pas ressenti ça. Moi ça m'a pas dérangé non plus une fois monté dessus. Là où j'étais le plus à l'aise, moi c'était sur la Kawa. Je suis bien sur la Honda, mais tu vois, je suis un peu plus dans la moto. Sur la Kawa, j'ai l'impression d'être un peu plus au-dessus, esprit trail, quoi, traditionnel, quoi. Alors moi, c'est bizarre parce que pendant tout l'essai, mon avis a pas arrêté de changer. Je faisais un peu la feuille morte, là, comme ça, je savais pas trop. Parce qu'au départ, les deux, mon cœur balance. Ouais. Au départ, tu vois, le confort de la BM m'a vachement convaincu. C'est très confort. Tu sens rien, tu passes sur des dodanes, sur des trucs, ça amortit super bien tout. Mais alors, ça plonge peut-être un peu beaucoup de la fourche. Ouais. Ensuite, t'apprécies vachement la Honda pour toujours ce côté très confortable, etc., etc. Mais finalement, elle est quand même un petit peu plus raide, tu vois. Elle est plus rigoureuse. Peut-être un petit peu plus rigoureuse, surtout sur les gros freinages. Et puis, t'arrives sur la Kawa, qui est la plus inconfortable des trois. C'est une comme un coup de trick. On l'a dit. Ouais. En revanche, d'un point de vue prise de frein avant, etc., elle plonge pas tellement. Elle a un super amorti. Au final, il est plus, tu vois, il est plus sec, il est plus robuste, mais il amortit vraiment bien. Ça rebondit pas. C'est presque la plus tonique des trois. Pour moi, c'est trop dur. Hein, tu vois, qui contraint pas du tout l'amortisseur. Franchement, sur les dodanes, j'avais vraiment c'était vraiment trop dur. Ah, c'est raide. Non, elle est raide. Trop raide. Ça, de toute façon, déjà, si vous regardez l'essai que moi j'avais fait, l'essai solo, hein, comme on dit, sur motorlife.tv, bien sûr, de la Versys X300, on verra que c'est ce que je disais, bonne moto, mais qu'est-ce qu'elle est raide. Voilà, ça se vérifie. Je suis content que vous l'ayez essayé tous les deux, parce que ça se vérifie. Une selle, il faut absolument une selle confort. En revanche, allons-y, quoi. Elle protège très bien, c'est celle qui protège le mieux des trois. Et ça, du coup, c'est dommage, parce que tu te dis, bah tiens, je vais voyager avec. Sauf les pieds. Ah, oui, bon, alors, flotte, d'accord. Mais quand même, le haut des mollets, les jambes, la bulle, elle avait les protège-mains, qui sont en option. Franchement, c'est très très bien. C'est bien, mais j'ai bien aimé la Honda aussi de ce point de vue-là. Moins bien. Point de vue protection. Un petit peu moins bien. C'est la BM qui est moins bien. Mais comme tu es plus à l'intérieur, t'as raison. Et puis la bulle est quand même encore assez haute. Ouais, elle est pas mal. J'ai bien aimé en termes de confort. Non, la Honda, c'est un bon équilibre. Mais du coup, c'est la BM qui protège le moins bien, en l'occurrence, avec son tout petit. Ouais, moi, c'est celle que je mettrai en dernier sur ce plan de la protection et de l'ergonomie, pour moi. Elle a un petit pare-brise qui ressemble étrangement à ceux qu'on trouvait sur les F650 GS, un tout petit truc de rien, là, on se demande à quoi il sert. Je pense qu'effectivement, un petit pare-brise un tout petit peu plus haut, il suffirait de pas grand-chose. Je me rappelle, Puig faisait ça, un équipementier. Il faisait des petits pare-brises qui remontaient légèrement, qui rebiquaient un peu. Et alors ça, c'était génial. Moi, j'en avais un sur une F650 GS que j'ai eu quand j'étais très très jeune. Ça fonctionnait très très bien. Je pense que ça, on peut l'offrir après. Dans les équipements, ça mérite, c'est presque obligatoire. Si on veut voyager un peu, je veux dire. Bon. Niveau moteur, maintenant, on peut peut-être attaquer quand même sur le gros du sujet, parce que on s'est attaqué quand même à bien les 300 au départ. Hein. Versys X300, le 310. Pour l'instant, on va mettre la Honda de côté. Ouais. D'accord. On s'attaque vraiment que aux 2-300. Oui, la Honda est à la limite de la catégorie A2 avec ses 35 kW. Ah tiens. Enfin, faudrait bien en parler puisqu'elle est là. Qu'est-ce que t'as préféré, toi, entre les deux? Moi, ce que j'ai préféré, c'est le twin, franchement, de la Kawa. Il est assez sympa. C'est malin parce qu'on a trois premiers rapports qui sont assez courts. Du coup, ça t'aide pas mal quand t'es un petit peu dans le TT. Tu vois, t'as vraiment de l'agrément et t'arrives à avoir une bonne motricité grâce à ça. Ouais. Et bon, tu passes assez vite tes six rapports. Et j'aime bien quand tu es sur le sixième. La sixième est assez longue. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu as une vitesse de pointe qui te permet d'être à l'aise sur les voies rapides. Et tu as de la reprise. Étonnamment. Tu as de la vibration. Ouais. Un petit peu moins que chez BM. Mais tu as quand même pas mal de vibrations dès que tu commences à passer les 6000 et que tu rentres dans les tours. J'aime bien la transmission. Je la trouve douce. Bon, au début, elle était un petit peu à l'accrocher. Bon, on avait une machine qui était un petit peu verte. Hein. Ouais, neuve. C'est le cas de le dire. Bon, ça, c'est vu. On a fait 4500 km, c'est vrai que ça allait quand même assez bien passer dans la neige. Mais voilà, et puis je mettrai celui de la BM derrière, pas parce que c'est un mono, parce que je trouve qu'il est il y a ça aussi. Il vibre
vibrent trop. Ouais. Ça, c'est parce que c'est un mono. Je suis pas fan de ce mot-là, quoi. Ouais. Mmh. Il y a des monos qui vibrent pas, il y en a quand même pas les masses. Je veux dire. Ce qui est un mono, ça vibrasse un peu, quoi. J'aime pas trop sa sonorité non plus. J'entends des petits bruits, j'ai l'impression qu'il racle, qu'il renacle de temps à autre. Mmh. Il y a des petits bruits quand t'es en décélération. Mais d'un autre côté, là, il a son caractère. Tu vois, moi, j'avais bien aimé ce moteur 300 de Kawa sur le Roadster ou sur la sportive. Je l'ai trouvé moins pertinent sur ce modèle parce que justement, tu as tes trois premiers rapports qui. Alors que tu as envie de l'agrément tout de suite. Quoi. Là, tu es obligé d'aller chercher quand même assez haut la puissance et les reprises. Hein, la puissance, c'est haut, c'est 11 500 tours. Bon, après, en revanche, c'est celle qui a le plus d'allonge. J'ai trouvé la boîte un petit peu dure et puis surtout l'embrayage. Il est tellement assisté qu'on ne sent plus, on sent plus le point d'embrayage. Et moi, ça m'a un petit peu perturbé, surtout qu'il est tout au bout, tout au début du levier. Et voilà. C'est instantané. Et du coup, c'est vrai que si tu as le malheur de laisser un doigt sur l'embrayage, bout, tu prends des tours parce qu'en fait tu cires tout de suite et c'est un peu perturbant quand t'es pas hyper habitué. Hop, tu lances tes rapports, tac tac tac, et puis ça part comme ça. Voilà, c'est une question d'habitude. Mais c'est vrai que c'est perturbant un petit peu quand t'as des gros gants d'hiver. Tu le sens un petit peu moins. T'as plus de feeling à l'embrayage. Moi, je m'en étais pas rendu compte lors de l'essai que vous pouvez voir aussi sur motorlife.tv, l'essai de la Versys X300, parce que j'avais des gants d'été quoi. Et du coup, ça ne m'avait pas du tout perturbé. Et là, j'avoue, de temps en temps, j'ai même cru que l'embrayage était foutu. Ils se sont marrés. Elle est neuve, elle ne peut pas être foutue. Ouais, peut-être un défaut. Non, pas du tout. C'est juste que je laissais peut-être traîner un petit peu trop longtemps la main. Et je croyais que ça prenait des tours pour rien. Bon, tu me diras, sur la ABM, l'embrayage, c'est pas terrible non plus. Enfin, c'est un manque de puissance. Faut bien faire cirer là au démarrage. Tu manques de caler pratiquement à chaque fois c'est pas que tu manques. Moi je n'ai pas arrêté de caler sur l'essai. Donc il faut monter tout de suite dans les tours et c'est pas forcément évident. Mais après je le trouve assez fun, tu vois. De 4000 à 7000, voire 5000, 8000. C'est pas mal. Bon, la vitesse de pointe est moins élevée. Hein. Ouais, moins élevée. Tu peines un peu plus sur les voies rapides. On peine un petit peu. Et puis là, ça vibre. Et puis, parce qu'on est en 34 chevaux. C'est bruyant. Là, on était à 40,8 pour la Kawa. Et puis bon, pour l'autre, la Honda, 47,6. Qu'on va aborder. Qu'on va aborder. Juste, moi, peut-être que je donne mon avis quand même sur les deux moteurs. Alors, effectivement, trop sportif pour moi, celui de la Kawa, du coup, c'est trop sport pour moi, c'est pas du tout l'esprit trail. Moi, je m'attends à quelque chose d'un peu avec un peu de rondeur en bas, etc. etc. Ça me demande de monter dans les tours tout de suite. Alors, il est génial ce moteur, il est génial. Franchement, vous vous régalez avec ça, mais vous vous régalez comme avec un roadster, pas comme avec un trail. Je suis assez d'accord avec toi quand même, c'est-à-dire que comme tu as quand même un peu de muscle à mi-régime. Du coup, quand tu sors un petit peu des sentiers battus, quand tu vas un petit peu dans la pampa et que tu restes, tu vois, dans des bas rapports, tu as cet agrément. Mais dès que tu en sors, il faut vraiment tirer loin. Il est très sympa pour un roadster, un peu moins pour un trail à mon avis. Et pour la BM, comme quoi c'est cruel parce que je l'avais trouvé vraiment très très bon. C'est vrai, je l'avais trouvé vraiment très bon pendant les séances solo. Et là, la comparaison, elle est dure parce que pour le coup, ce manque de puissance, que ça soit à bas régime où on n'arrête pas de caler parce qu'il se passe rien, on est obligé effectivement de grimper dans les tours au démarrage, sinon il se passe rien. Et puis, ce petit manque d'allonge aussi. Bon, et puis ce manque de puissance en général par rapport à celui de la Kawa, on le ressent parce qu'on a la Kawa à côté. En revanche, c'est une moto que j'ai trouvé fort sympathique quand même, et moi ce moteur, je le défendrai quand même parce qu'il est sympa, notamment en urbain. Comparé à la Kawa, où la Kawa elle est plus difficile à mon avis à utiliser en ville par rapport à la BM qui du coup est un petit peu plus facile quoi. Tu rétrogrades peut-être un peu moins parce que tu es plus souvent dans la bonne plage d'utilisation, j'ai la sensation. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est plus simple. En ville, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, avec le réservoir de 11 litres, ce sera parfait. C'est bien. Aux autres qui ont un réservoir de 17. C'est bien. Surtout que c'est pas celle qui consomme le moins. Non, c'est pas celle qui consomme c'est le plus. Un petit peu le souci, ça aussi. Il y a la Kawa qui consomme plus. 4,8 pour la Kawa, 4,7 pour. La BM. Et 4,3 donc pour la Honda, qu'on est petit obligé maintenant d'aborder, puisque c'est forcément, je sais pas pour vous, moi, j'ai quand même
c'est vrai que là, comme ça, je me dis, bon, elle est pas mal, la Honda, par rapport aux deux autres. Hein. Ouais. Écoute, si t'intéresses, c'est agréablement. Parce qu'on a une moto presque 200 cm3 de plus, ouais. 471 exactement. Ouais. Et t'as 47 chevaux, ouais. 7 de plus que la Kawa, 13 de plus que la BM. Et le double en couple. Et le on double en couple. Ouais, alors qu'on a 28 sur la BM, 25,7 sur la Kawa. Ouais, et il prend beaucoup moins de tours. On pourrait penser qu'il est plus sage, mais. Non. C'est pas le cas, parce qu'en fait, il donne beaucoup de choses tout de suite et, ouais. Et il suffit de le pousser un petit peu pour que ça devienne très très marrant. Ouais. Non, il est hyper rempli en fait. Il est bien plein, il est plein partout. J'ai envie de dire souple, mais pour un moteur 500, c'est pas... Élastique. Par rapport aux deux autres, il y a beaucoup plus d'élasticité, beaucoup plus de souplesse. Il n'y a pas photo. Et on pourrait se dire, oui, c'est parce que c'est un bicylindre, oui, mais enfin le Kawa c'est aussi un bicylindre. Or, on n'a pas ce sentiment de souplesse. Oui. Qu'on peut avoir sur la Honda, tout à fait. Qui pour le coup, voilà, avec 200 cm3 de plus, fatalement, elle a un peu plus de coffre, elle t'en donne, mais beaucoup plus. Et moi, ce qui m'a vachement surpris, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ça soit si flagrant. D'accord. Parce que quand tu regardes les données, quand tu regardes la puissance notamment, elle n'est pas complètement délirante par rapport aux autres. Je veux dire, bon d'accord, tu as 47, tu as 34 et tu as 40. Mais quand tu regardes entre la Kawa qui est à 40 et la Honda qui est à 47, 7 chevaux à des poids... sensiblement... Bah, La Honda est pénalisée par son poids supérieur, donc finalement, ça les ramène un petit peu... Du coup, je me disais, ça va être un plomb. Et je ne m'attendais pas à ce que ce moteur, moi, me réjouisse à ce point. J'ai trouvé le moteur de la Honda absolument génial. Ça m'a réconcilié avec les 500. C'est moi, je me suis dit, on peut aller bosser tous les matins avec ça sans aucun problème. Quoi. Ah bah oui, non, au contraire. Et puis, c'est... Si tu veux juste démarrer, pas te prendre la tête, c'est ça qu'il faut prendre. Tout en sachant que tu peux quand même aller t'amuser aussi le week-end avec. Donc ça, c'est... Alors t'amuser, pas partout. Bon, après, effectivement, les petits tours dans la pampa... Je veux arriver... La partie cycle. Puis je veux arriver sur le fait qu'on est censé comparer des trails. Et que c'est pas un trail. La Honda, c'est un look trail. Non, mais elle a des routes 17. C'est la seule elle a des routes 17, voilà, alors que les deux autres ont les 19 avant. Et puis des pneus typés route complètement. Oui, c'est vrai. Oui. C'est le cas pas. C'est des Dunlop Trail Max. Trail Max, ouais, 609. Là-dessus, et t'as un sur la BM qui est un petit peu plus sculpté. Ah bah oui. Oui, ils sont moins sculptés, mais bon, un petit tour dans la pampa, on a vu que ça accrochait. Mais tout, ils accrochaient. Il faut pas que le terrain soit trop lourd. Sur du sable, tout ça, ça va, ça motrice. Et puis, tu peux quand même avoir une position... Tu tiens bien sur la Honda où t'as quand même une meilleure maîtrise. Je trouve, moi, que debout, j'ai eu plus de mal à maîtriser sur la BM. Je sais pas, vous pensez que le guidon est trop bas, tu crois? Ouais, je pense que j'avais pas. Mais le guidon était très bas, et très bas aussi, plus bas sur la BM. Sur la BM? Il est plus plat. Les deux autres ont un cintre plus prononcé. T'as ça aussi. C'est pas tellement le guidon qui est plus bas, c'est surtout. Mais du coup, elle a une bonne garde au sol. Elle a une garde au sol, elle a vachement plus de débattement au niveau de la suspension. La BM, pour le coup, si vraiment on veut la jouer trail, la BM, moi, pour moi, reste la plus convaincante. La Kawa, elle avait des pneus qui étaient inexistants. Dès que c'est un peu lourd, ça glisse, mais c'est incroyable. Même la Honda s'en sortait mieux. En revanche, la BM, avec les Tourances, avec des vrais pavetons, ça allait, quoi. Ça tenait quand même pas mal. Tu peux enlever l'ABS, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Donc, quand même, la BM, pour le coup, si vraiment on a envie de s'essayer un petit peu dans les chemins, je conserverais la BM qui a plus de souplesse, qui a plus de facilité, qui est la plus légère. La fourche inversée, mais c'est la fourche la plus souple de notre censé trouver de la rigueur sur genre de choses. Voilà, c'est là qu'elle repousse à être un petit peu de noblesse, qu'elle redore un petit peu son blason, c'est dès qu'on sort des sentiers battus. Parce que pour le coup, t'as une vraie souplesse qui est nécessaire en TT. Les deux autres sont plus rigoureuses sur la route. Ouais, mais je trouve que tu peux quand même, t'arrives plus vite à talonner, je trouve, avec la BM. Dès que tu commences à rouler un petit peu vite, alors que si t'es un petit niveau, en tout terrain, mais en tout chemin, si t'es plutôt habitué à passer dans les flaques et à traverser les champs, tu peux rouler un petit peu plus vite. Moi, la Kawa me met plus en confiance.
Je ne dirais pas la même chose sur la Honda rapport à sa garde au sol et ses pneumatiques, on l'a évoqué. En revanche, moi je me sens vraiment mieux dans les champs avec cette moto verte. Bah déjà, elle a les roues à rayons, elle, c'est la seule des trois. C'est la seule des trois. C'est bizarre, hein, mais... Elles sont plutôt côté jante stylée. Ouais, mais tu vois, pour moi, j'ai le même point de vue qu'Eric. Je pense que la BM sera vraiment plus adaptée au tout-terrain. Et la Kawa, elle fait plus mini-maxi-trail routier, tu vois. Ouais. C'est... Avec une très bonne protection, c'est une bonne routière. Ouais. Ah ouais, tu peux en mettre un top case, tu peux mettre des valoches, tu peux partir. Ouais. Avec la BM, tu peux pas faire ça. C'est vrai. Et puis pas mal aussi tout l'équipement, l'accastillage derrière, le porte-paquet, le crochet. Ouais. C'est pas mal, les outils que tu trouves sous les selles qui peuvent t'aider pas mal si t'as un petit souci. Enfin, sous la selle de la Kawa. De la Kawa, ouais. La CB500X en termes de porte-paquet, porte-bagage. Il n'y a rien, quoi, alors qu'il y a effectivement quelque chose qui est très très bien sur la Kawa, très bien fait, tubulaire et tout, peut-être un peu moins joli que ce qui est proposé par BM, qui est très très beau et qui pour le coup a une espèce de prédisposition pour recevoir un top case carrément. Bon, et puis quand même, il faut qu'on parle un petit peu handling, on dit. Handling. On est des Américains. En même temps, c'était facile, quoi. C'est des bécanes légères, qui sont assez agiles, t'as pas vraiment de problème de mise sur l'angle, bon, mais niveau de la rigueur quand même, la BM un petit peu en retrait, quoi, forcément. Ouais, forcément. Hein, faut pas passer sur un truc, comme ça travaille. La Kawa, elle est bien raide, hein, ça c'est sûr que... bouge pas. Ça c'est sûr. Ceci étant, c'est pas désagréable, hein. Non. C'est énorme, un truc, hein, ça... C'est rassurant, elle y va d'un coup... C'est celle qui a les pneus les plus fins. En plus. Vous avez remarqué ? Et du coup, c'est vrai que elle passe d'un bout sur l'autre, ça va, regarde. La Moi, je me souviens, l'essai, c'était un roadster, ce truc. On était là, le couteau entre les dents, on s'est régalé, franchement. Mais par rapport à la c'est la 500X, c'est la Honda. Il semble la plus précise aussi, tu vois. Hein, la plus précise, le toucher de route, l'homogénéité, c'est un pack. Voilà, je suis d'accord, c'est vrai. Il y a un accord qui est trouvé entre l'avant et l'arrière au niveau amortissement qui est quand même hyper bien. Ouais. Ce qui n'est pas le cas par exemple sur la Kawa où tu as une fourche qui est quand même très très dure par rapport à un amortissement un petit peu plus souple à l'arrière, même s'il reste raide, mais tu as un peu plus de souplesse à l'arrière. De temps en temps, quand tu passes sur un truc, tu te rends compte qu'il y a, y a un désaccord entre guillemets. Hein. Ouais. C'est très raide sur l'avant, un peu moins à l'arrière. Et puis la BM, bon là pour le coup, alors quand tu passes sur un Dodan, c'est sympa. Ça s'enfonce de partout d'un coup, comme ça, t'es pas gêné. Quel Dodan ? Mais c'est vrai que alors, tu les sens pas, mais c'est vrai que quand tu veux commencer à attaquer un petit peu dans les virages ou des trucs comme ça, c'est peut-être un petit peu moins efficace. Le ressenti est peut-être un petit peu plus brusque et voilà, pas tôt, quoi. Ah, c'est l'envers de son orientation plus. Voilà. Mais par contre, c'est une petite moto très sympa pour se balader. Ouais. Elle est rassurante aussi. Oui. Ça pose pas de soucis. Il n'y a pas de désagrément particulier. Non, c'est facile. Bien sûr. Dans tous les cas, les trois sont très très simples à utiliser. Et ça, c'est quand même un vrai plus, par exemple, si on veut débuter, quoi. Ouais, c'est rassurant pour ça. Après, on arrive quand même au freinage, parce que c'est important quand même de savoir si ça freine ou pas. Bon, pour moi, c'est la Honda qui freine le mieux, sans hésitation. La BM, elle a un étrier radial et tout. Ouais, non, mais non. En plus, c'est la Honda, c'est la seule qui a le levier réglable. Oui. Les deux autres ne l'ont pas. Honda... Tu vas dire Kawa, je sens. Bah, Kawa, je l'ai prise, elle avait vraiment 30 km et c'était pas du tout rodé, etc. Donc j'étais un peu surprise au début et puis au fur et à mesure, ça s'est effectivement amélioré. Donc je le mettrai kiff. Bah, c'est sérieux, Kawa, mais je trouve que c'est une question de feeling. Je préfère le feeling de la Honda, que je trouve plus sûr. Ah, dosable. Voilà, je mets Honda, Kawa et BM en 3. On est d'accord. Mais je mets Honda dans premier, je suis d'accord avec toi. Et BM, il plonge trop en fait. C'est pas que ça plonge, c'est que ça plonge beaucoup. Tu perds beaucoup de freinage dans la fiche. Le début du levier est très très bon. Le début de la course, c'est très très bon. Ouais. Trapper tout le truc avant. C'est pas agréable. C'est une petite moto, ça fait petite moto là-dessus. Pour le coup, oui. Alors qu'il y a étrier radial. C'est comme le coup de la fourche inversée. Un beau disque et une fourche inversée. C'est assez surprenant. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Et pour quand même remettre un petit peu la maison au milieu du village. J'aime bien celle-là. Non, parce que nous, on reste comme ça. La maison au milieu du village, le design. Parce que là, ça va remettre un petit peu, peut-être, j'espère, un peu tout le monde d'accord. Moi, en tout cas, je cache pas ma préférence pour la BM. Chacun ses goûts. C'est une affaire de goût, hein, c'est vrai. Moi, je pense que c'est la BM qui est la plus valorisante, en fait, quand on la regarde d'un point de vue qualité perçue. Je reste convaincu qu'elle...
Voilà, les peintures sont belles, les finitions sont jolies, il y a des petits caches de rien du tout qui viennent planquer des fils à des endroits où personne ne va voir. Voilà, c'est joli. Je trouve qu'il y a un côté très tété, surtout à l'arrière où il paraît très haut. Vous avez la boucle arrière qui remonte beaucoup, ça fait très tout terrain. Il y a des jolies formes. Elle colle bien au style GS. Tu retrouves un peu la famille, sauf le phare qui est effectivement pas très réussi. Ils auraient pu faire un petit truc asymétrique comme sur d'autres. On vient en arrière, un petit côté. Mais pour le reste, voilà, moi c'est celle que je préfère. Et toi, Maya? Mais écoute, la BM, je la trouve chouette. C'est bien qu'elle corresponde bien au style GS. Je l'aurais pas vu autrement, tu vois. Ouais. Finalement, la Versys, elle est un peu brute. Je sais pas. Enfin, tu vois, il y a côté à la serpe là, et puis peut-être effectivement moins valorisante au niveau de la qualité perçue, etc. Et bon, je choisirais la Honda de toute façon. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, la plus belle, c'est la Honda. Là-dessus. Ouais. Enfin, je sais pas si je dis la plus belle ou la moins moche des trois. Je suis pas hyper convaincu par le style de ces trois trails, mais j'avoue que la face avant de la Honda, j'aime beaucoup avec son éclairage full LED. Ah oui, ça c'est la nouveauté 2016. Un petit côté assez moderne, c'est sympa à voir dans les rétros aussi. La BM, c'est une BM, c'est vrai. Ils ont vachement bien bossé sur cette identité, les différences de matière et tout, mais je suis pas spécialement convaincu. La partie avant ne me plaît pas du tout. L'arrière, c'est vrai qu'on dirait une 1200 GS avec le porte-paquet vraiment dans le même moule quoi que la grosse. Le petit logo BM sur le guidon. Et la Kawa, ils sont, je sais pas, elle se cherche cette moto au niveau du look. Ah ouais. Je la trouve pas homogène, je la trouve pas harmonieuse, je suis pas hyper convaincu. Beaucoup de plastique. Elle fait un peu utilitaire quelque part. Par contre, sa planche de bord, quoi, avec la partie compteur tachymétrique et puis compteur analogique, pardon, et puis toute la partie numérique où il y a beaucoup d'infos aussi. Oui, puis c'est plein d'infos. BM comme Kawa, il y a tout ce qu'il faut. Un petit peu moins sur la Honda. Oui. Ouais, déjà, il n'y a pas le rapport engagé. Oui. Ce qui est un peu surprenant, parce que les deux petites 300 ont le rapport engagé, mais pas la Honda, qui est pourtant un petit peu plus. Oui, mais elle est tellement souple et tellement remplie. Parce qu'elle a un compteur de litres consommés, et ça, moi, j'aime beaucoup quand justement tu sais plus trop où t'en es sur ton réservoir, c'est bien. Et puis elle a les warnings, la BM n'a pas de warning, elle a un ABS déconnectable, la BM. Ça rattrape là-dessus. Ça n'a pas de warning, quoi. Pas de warning sur la BM, non, monsieur, alors qu'il y en a sur les deux autres. Il y a des petits trucs comme ça quand même, on se demande pourquoi quoi. Pourquoi on ne met pas un rapport engagé aujourd'hui sur une CB500X? Pourquoi on n'a pas un warning sur une G300? Je pense que la prochaine génération. C'est bizarre quand même quoi. Mais bon voilà, globalement elles sont pas décevantes ces motos, au contraire, elles sont même plutôt encourageantes. Elles sont rigolotes. Après bon, il y a le problème du tarif. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Et c'est là-dessus en général qu'on trouve le juge de paix, comme dirait l'autre. Hein. C'est au niveau du tarif. Et là, on est quand même vachement surpris. On est un peu ennuyé quoi. Pourquoi? Alors parce que la Kawa, on est à combien? On est à 5 799, c'est la moins chère. BM 5 900. Bon, là, il y a le blason un petit peu. Voilà. Et Honda 6 499. Donc 600 euros de plus que la BM et 800 euros de plus que la Kawa. Pour un usage qui est à peu près celui que tout le monde aura avec ce genre de moto, c'est-à-dire essentiellement quand même de la route et pas du chemin. Et de la ville. Enfin de la route, je veux dire, voilà, de l'asphalte, quoi, pas dans la pampa. C'est sûr que là, pour le coup, pour 500 euros de plus, on peut avoir cette Honda en 500 avec un moteur qui est hyper rempli, etc., etc. On comprend fortement tous les trois pourquoi à chaque fois sur les histoires, on nous a dit oui, mais la CB500X, elle n'est pas très chère. Ouais. Et c'est pas faux et elle est convaincante. Si t'as pas le coup de cœur sur les deux autres, le choix rationnel, Puis de la polyvalence aussi, parce que on a fait le petit test avec Clémentine en tant que passagère en duo, et c'est quand même la Honda qu'elle a préférée juste devant la Kawa. C'est vrai qu'elle a aimé parce qu'elle aime bien le fait d'être surélevée, tu sais, la selle remonte quand même, voilà, très dure, touring, mais la selle dure, le même très la touring. Même voilà, mais celle dure, voilà. Et en revanche la BM, on confirme l'âge là-bas. Et donc c'est vrai qu'on aurait forcément un petit penchant quand même pour la Honda d'un point de vue purement rationnel. Parce que pour pas très cher, on en a quand même un petit peu plus, notamment au niveau moteur, freinage, confort, très bon. C'est pas pour rien que la gamme CB500, ça fait quand même partie des best-sellers du marché. Et puis
utilisé par les moto-écoles aussi. En revanche, moi, Monsieur Honda, si par hasard, si toutefois on pouvait avoir alors une sorte de petite Africa Twin en 500 et un petit moteur vachement sympa, bah, j'adorerais ça, avec des vrais pneus TT, là, un peu plus de débattement, bah, franchement, je kifferais. Et une CB500R, avec ce petit moteur, on pourrait pas l'imaginer. La nouvelle. Ouais, tu vois, avec une nouvelle avec le look. Voilà. Ah oui, une demi CB Miller. Voilà. D'accord. Ça serait vachement bien, je trouve, avec ce petit moteur. Bah oui, regarde, on va avoir arrivé à une 125, non, mais une 300, c'est vrai. Une 1000, pourquoi pas un 500, avec ce petit moteur vachement sympa, tu vois, que moi, je trouve... Est-ce qu'ils vont abandonner leur plateforme 500 et peut-être aller arriver vers ce look-là, je sais pas. Pourquoi pas, ça serait sympa. Moi, je trouve que ça manquerait dans la gamme, après. Bah, ça pourrait faire une alternative, effectivement, à la CB500F. Et enfin, entre, tu vois, Ouais, moi, je pense que ça pourrait être pas mal. On est dans l'ère du néo-rétro. Voilà. Bon, bah écoutez, avec ces petites explications, on espère évidemment que vous avez un petit peu plus d'idées déjà pour vous offrir votre prochaine moto en petite cylindrée, hein, parce que 500, ça reste quand même pas une énorme cylindrée. C'est pas mal d'ailleurs, en termes d'entretien et tout, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être un choix très raisonné d'ailleurs, un 500 aujourd'hui. 500 ou 300. Hein. D'autant qu'elles sont toutes les 3 à 2. Hein, ça, c'est comme ça, c'est dit, y compris donc la 500. Et puis, n'hésitez pas à vous à réagir. Hein. Dites-nous, vous, laquelle vous préférez, comme ça, celle que vous avez peut-être envie de vous acheter. On est absolument pressé de savoir ça. Et donc, on vous retrouve pour un autre déo et débat, un prochain, rapidement. Le plus rapidement possible. On vous retrouve dans les Moto & Co, on vous retrouve dans tout un tas d'essais sur motorlive.tv. Vous pouvez toujours vous abonner sur nos réseaux sociaux, que ce soit Moto Service, Motorlive, la Moto Classique, Twitter, et Instagram. On a un Instagram Motorlive. Vous nous mettez plein de pouces. Vous abonnez si c'est pas encore fait. Et les grand-mères. Et puis on vous embrasse. Voilà, comme ça c'est dit, on vous embrasse, on vous retrouve tout prochainement. Demain peut-être. Allez, salut. Ciao. Personne n'entend. Attends, alors qu'est-ce qu'on fait? On va où là? Les boîtes gauche ou la fosse Saint-Clair? Parce que c'est pas le tout, mais. Fosse Saint-Clair, c'est trop à droite. Oh, me ferme là. Moi, je préfère aller à gauche. Hein? À gauche. Ah, tu préfères aller à gauche? Ah, d'accord. Alors que les boîtes gauche, quoi. Ok, ouais, c'est parti. C'est nul. Bonjour, monsieur. Salut. Bonsoir. Ah, bien. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. En vrai, en live. Bon, bah, bonne route. Hein. Je regarderai la vidéo alors. Avec plaisir. Voilà. Salut. Là, je rentre. Ah, vous rentrez. Je finis, d'accord. Ouais. Okay. À bientôt. Non, mais là, bon, j'ai pris un petit vent. Hein. C'est comme ça, quoi. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il nous a reconnus même dans le noir. Ouais. Ça, c'est un signe, quand même. Mais moi, je l'ai pas reconnu. Non. Mais c'est peut-être le 100 millionième abonné. C'est parce qu'il avait son casque. 100 millième. C'est peut-être le 100 millième abonné. Le 100 millionième, tu vois, super. Mais je suis comme ça, moi. Bon, allez, on y va, les Beatles, ou quoi, là?